Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Bienvenue dans une nouvelle partie des cours de base au crochet. Donc là, on va travailler avec des mailles serrées. Ici, les demi-brides. Et là, on a toujours travaillé en rang. Et maintenant, je vais vous montrer comment on travaille en rond, en circulaire, ou même plus là en spirale pour être plus précis. Donc on commence bien sûr avec notre nœud magique, notre prison. Donc c'est, vous allez voir, hein, c'est toute petite astuce à maîtriser, mais vraiment accessible. Donc là, on a toujours, jusqu'à présent, on a travaillé à plat. Maintenant, l'idée, c'est de travailler avec, donc du coup, en cercle, comme ceci. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on travaille en tube, on fait un, voilà, un cercle, et on aura du coup, si par exemple on fait un snood, ou si on fait un bonnet, ben, ça évite les coutures, par exemple. Voilà, pourquoi aussi on travaille en cercle quand on crochette. Alors, on va comment ce qu'on peut faire, c'est donc voilà, pour tourner en, pour crocheter en rond, on peut faire, il y a deux principes, hein. Soit c'est un rond plat que vous faites, soit vous crochetez en circulaire ou spirale, comme on dit. Et même la spirale, ça peut aussi être un rond à plat, mais là on va vraiment faire un tube en fait. Donc on va faire un cercle qu'on va ensuite agrandir, mais ce sera en aucun cas un rond. Je réutilise encore mon fil Maeboshi pour, voilà, que j'utilise pour les cours de crochet. Plutôt pratique comme fil qui donne un beau rendu. Donc c'est du polyacrylique et de la laine en fait, hein, pour la composition. Pour des aiguilles crochet 6-7 mm. Et puis on a, voilà, océan, bleu océan pour la couleur, 153. Donc voilà, j'utilisais mon crochet 6 mm. Ça passe très bien. Là, j'ai pris mon fil, je prépare et je vais vous montrer donc comment ça fonctionne. On va déjà bien sûr faire la chaînette de mailles en l'air. Voilà, je passe mon fil comme ceci autour de mes doigts, je fais une croix et puis je cherche le fil qui est derrière là. Et puis je relève. Et ensuite j'ajuste mon fil. Je recommence. Et aussi, et là je. Voilà, je suis prête maintenant, c'est bon, j'ai mon nœud. Cool, c'est mon nœud magique. Et puis maintenant, je commence avec ma chaînette de mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 20 mailles en l'air, c'est pas mal. Pour commencer. Et en fait, tout simplement, maintenant, je fais en sorte que ma chaînette ne soit pas enroulée sur elle-même, que toutes les mailles soient bien orientées dans la même direction, et je vais piquer dans la première maille que j'ai crochetée avec mon crochet, et on va faire une maille coulée pour fixer les deux bouts. Donc en fait, je cherchais le fil, je le passe dans cette première maille du travail, et dans la dernière maille, dans la maille qui est au niveau de mon crochet. Le fil dans les deux. Et ainsi, je fais une maille coulée, j'ai fixé tout simplement les deux bouts de cette manière. Mais bien sûr, hein, comme je vous dis, on fait attention qu'il y ait pas de, que ce soit pas enroulé, que toutes nos mailles soient orientées dans la même direction, qu'il n'y ait pas de twist. Et une fois que c'est bon, que vous êtes sûr, et bien on va pouvoir continuer à travailler donc sur cette base circulaire maintenant. Donc ça c'est 20, bon bien sûr si vous faites un snood, hein, il faudra faire bien plus grand, c'est mieux. Voilà, après il y a juste à adapter, une fois que vous connaissez le principe, il n'y a plus qu'à adapter de toute façon. Donc, je fais des mailles serrées, donc je fais une maille en l'air, bien sûr, toujours. Et je vais piquer dans la première maille qui est juste ici, et je crochète ma maille serrée. Donc je mets deux boucles ici, et je passe mon fil ensuite dans ces deux boucles.
Je passe. Pas besoin de faire de jeter, hein, je passe dans la maille suivante. Voilà, on poursuit. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est marquer la première maille. Parce que quand on travaille en spirale, c'est toujours pratique de marquer la première maille du rang. Là, j'ai pris un trombone. Vous pouvez utiliser vraiment, il y a plusieurs choses. Il y en a qui utilisent des fils, il y a des marqueurs spéciaux aussi, c'est comme vous voulez. On passe dans la maille suivante. Donc, on jette une maille serrée. Et on va faire tout le tour comme ça, en fait. Une maille serrée dans chacune des mailles. Du tour. Bon, la taille du crochet, donc il n'y a pas, pas de doute, ça passe bien. Après, bon, je vais sortir mon trombone parce qu'il va me gêner et je vais crocheter au-dessus de cette maille directement. Vous pouvez de suite la marquer, cette maille que vous venez de crocheter par exemple, comme ça vous allez repérer et vous savez comment vous y retrouver après. Donc, ah, et ensuite il n'y a plus qu'à continuer le cercle comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Donc, sur chacune des mailles, vous allez crocheter une maille serrée. Voilà, ça, ça bouge pas. Vous poursuivez le principe. Ça sera le même. Donc pas besoin, pas d'augmentation, pas diminution, c'est pas nécessaire. Là on reste tous, on maintient ça simple. Donc là, j'ai continué sur plusieurs tours. Voilà, on a toujours la première maille marquée, comme vous pouvez le voir ici avec le trombone. Et après, en fait, vous n'avez plus qu'à poursuivre. Et je vais vous montrer aussi la fin. Ben, c'est quand même bien d'avoir le début et la fin, comment ça fonctionne. Donc là, j'ai plus qu'à couper le fil. Je tire mon fil comme ceci. Et je vais vous montrer donc comment je peux faire en sorte de bien clore en maintenant le motif. Ça on voit pas. Donc je passe sous mes deux brins. Je tire le fil. Je passe. Là j'ai le fil qui passe dans les deux premiers au niveau des deux brins ici. Et ici dans cette maille, je vais prendre sur le brin qui est vers l'intérieur, le brin arrière, et je passe le fil dedans. Juste, et voilà. Quand vous ajustez bien, ben vous voyez le résultat. C'est très net, il n'y a pas de différence. Donc voilà comment terminer et finaliser par exemple votre tour. Donc ça fait vraiment, voilà, ça fait faire des projets vraiment sympas, le fait de savoir de pouvoir crocheter comme ça en circulaire. Donc soit vous avez deux possibilités, hein, vous pouvez faire en spirale, mais vous pouvez aussi
de manière classique, hein, c'est-à-dire que chaque rang, vous le commencez avec trois mailles en l'air et vous pouvez clore chaque rang avec une maille foulée. Donc vraiment, vraiment ouvert, quoi. C'est spirale ou classique. Vous avez deux versions, comme ça. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et ma vidéo, si c'est le cas, laissez des commentaires, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!